Voilà, j'allume la caméra. Bonjour. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo sur comment j'arrive à gérer maintenant les crises d'angoisse et vous expliquer un petit peu. C'est comme un témoignage, mais en même temps, je vous donnerai des petits tips. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué de mon côté. Par contre, je continue à faire des crises d'angoisse. J'arrive à mieux, beaucoup, beaucoup mieux gérer certaines crises d'angoisse. Par contre, celles qui ont, on va dire, il y a les symptomatiques et les asymptomatiques. Les crises qui arrivent sans raison, quand je vous dis ça, c'est quand t'es tranquille dans ton canapé, tu passes une bonne soirée et là, tout à coup, tout part en live, ça s'emballe, j'arrive plus à respirer. Ces crises-là, j'arrive à les gérer. Par contre, les crises que j'appelle symptomatiques, je vais avoir une douleur violente au niveau de la poitrine, une douleur violente dans la tête, là, c'est plus compliqué pour moi. Ça reste encore compliqué, même si j'applique les petites méthodes. On est beaucoup, hein. On est énormément. Je pense que, très honnêtement, j'ai envie de dire que tout le monde, au moins, dans sa vie, a dû déjà avoir une crise d'angoisse, non? Quand même, au moins une fois. C'est pas que je vous le souhaite, mais ne me laissez pas seule. J'ai pas du tout envie de traiter cette vidéo en étant quelque chose de larmoyant. Non, ça reste une crise d'angoisse. On va relativiser tout ça. Même si, pour en souffrir encore, je ne minimise pas. Quand t'as une crise d'angoisse, t'as l'impression que tu vas mourir. Donc j'ai pas mal de petites choses nouvelles que j'applique qui fonctionnent. Ça, je vous en ai pas encore parlé, parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a plusieurs années, mais les choses ont vraiment évolué. Moi, je souffre de crises d'angoisse, comme je vous ai dit, sans raison. Je suis en voiture, je suis dans mes pensées, et là, ça part en live. Je suis devant la télé, comme je vous disais, tranquille. Et pour les crises d'angoisse dans lesquelles était associée une douleur, très souvent, en tout cas au début, maintenant non, je terminais aux urgences. Parce que forcément, tu comprends pas ce qui t'arrive, t'arrives pas à reprendre ton souffle, ton cœur il part en live. C'est-à-dire que les douleurs étaient d'une telle intensité qui irradiaient partout. J'arrivais plus à respirer, j'étais oppressée, bref, tu sais pas, au début tu te dis waouh, c'est du délire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc bah, tu fais ton électrocardiogramme, on te demande, parce qu'on voit que l'électrocardiogramme n'est pas du tout anormal, enfin tout est ok, donc il commence à te parler, à te demander si tu es stressée en ce moment. Et je me suis rendu compte quand même que malgré que mes crises d'angoisse apparaissaient dans des moments très très calmes, en tout cas sur le moment T, l'instant T, j'étais quand même dans un moment où j'étais assez stressée, tout le temps. C'est-à-dire que soit j'étais sur un gros projet, soit il y avait quelque chose vraiment qui me prenait la tête, mais très souvent c'était lié à un état ambiant général de stress. Au tout début, je ne gérais rien. C'était une catastrophe et en plus bah, t'es épuisé, c'est horrible, tu te coupes de pas mal de choses parce que tu dis à tout moment ça peut arriver, tu refuses même, je parle encore dans les débuts, à sortir, à voir du monde. Parfois, et c'est pas bien, pour me détendre, qu'est-ce que je faisais quand je sortais? Bah, je prenais un verre, deux verres parce que je savais que ça allait me détendre. Je répète, c'est pas bien, mais moi ça m'aidait un court moment parce qu'après le lendemain bah, t'es encore plus en bad, enfin dans mon cas. Et aujourd'hui, je réussis en tout cas à calmer tout ça. Limite, personne ne se rend compte que je suis en crise d'angoisse. Il n'y a que moi qui le sais, mais j'arrive à faire cette gymnastique et à faire tous ces petits trucs, ça passe. Avant, quand je bossais, parce que oui, j'ai pas toujours été à mon compte, par exemple quand je travaillais dans un lycée ou quand j'ai été éducatrice, bah forcément, t'as des horaires, t'arrives à telle heure, tu repars à telle heure et tu peux pas, tu fais pas ce que tu veux. Alors, est-ce que c'était ça aussi qui m'oppressait? Je sais pas, mais c'est arrivé plein de fois où bah, j'avais des crises très, très, très spectaculaires. Donc, dans moi, dans ces cas-là, donc je partais. Enfin, je partais, non, je restais sur mon lieu de travail. Mais j'essayais de m'isoler dans un petit coin où il n'y avait personne. Et puis j'étais dans le mal, dans le très, très mal. Ça ne passait pas, en fait. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Il fallait que je parle à quelqu'un. Et moi, le fait de parler, d'expliquer, plus aucune dignité hein, dans ces moments-là. Ça m'aidait vachement. De verbaliser. Donc pareil, petit tip, si jamais vous êtes en crise d'angoisse, qu'il y a du monde à côté de vous, parlez, dites-le, c'est pas grave, on s'en fout. Expliquez ce qui vous arrive. Et le fait d'écouter quelqu'un parler, rien que ça, ça calme. En général, les personnes sont quand même cool, sympas, elles vont te rassurer. Si personne n'est autour de vous, appelez quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé d'être seule, mais vraiment toute seule, et d'appeler. Bon, en l'occurrence, j'avais appelé mon médecin. Il avait géré trop, trop bien. Et donc voilà, le fait de parler... ça fait un bien fou. Maintenant, quand je vois la crise arriver, parce que tu le sens, quand tu vois vraiment que ton cœur commence à battre de façon anormale, donc vite, plus vite que la normale, je prends une grande respiration par le ventre, comme si tu gonflais ton ballon, mais je fais ça immédiatement. Et tu inspires comme ça.
tu ouvres ici et tu bloques. Tu bloques, tu ne respires plus. Tu bloques comme ça pendant 7 secondes. Enfin bon, t'étouffes pas non plus, mais jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Donc tu bloques comme ça. Tu gardes. Et au bout de 7-8 secondes, le max que vous puissiez aller, tout doucement, surtout tout doucement, tu expires l'air, mais comme ça, tu vides, comme si tu vidais le ballon. Et tu vas au bout du bout du bout du bout, comme si tu ne peux pas. Et tu le refais 2-3 fois. Et là, il n'y a pas le côté, voilà, je respire comme ça. Moi, quand je fais ça, maintenant, ça me donne encore plus la tête qui tourne. Que ça, cette méthode que je fais 2-3 fois de suite, c'est hallucinant parce que forcément, je contrôle. Et mon pouls, petit à petit, il commence à se réguler et à redevenir normal. Donc ça, c'est aussi un petit tips. Franchement, en plus, tout le monde peut le faire. Sans respirer, tu peux le faire n'importe où. Cette méthode, très efficace. Encore une fois, sur moi. Mâcher quelque chose. Un chewing-gum, un bonbon. Si tu peux, hein, si t'es pas en tétanie. Moi, je fais pas de crise de tétanie. Hein, mais si tu peux, tu mâches. J'ai l'impression que ça te régule tout. Et du coup, tu occupes ta bouche, donc la respiration, à autre chose. Ça aussi, c'est un petit tips. Pas manger finalement, pas déglutir, parce que moi, en crise d'angoisse, j'ai la glotte, enfin là, ça se resserre, donc je ne peux pas déglutir. Donc, mâcher. Ça, tu mâches, ça marche. Autre chose qui fonctionne super bien, donc t'es en crise d'angoisse, hop, je suis là, je suis en crise d'angoisse dans ma maison. Le truc, c'est de se focaliser, forcément, c'est aussi du bon sens, sur autre chose. Parce que quand t'es en crise d'angoisse, tu penses « Oh, je vais crever, oh, j'arrive pas à tuer, blablabla. » Donc tu penses à ton petit nombril. Et là, en fait, il faut que tu occupes ton esprit à toute autre chose. Donc qu'est-ce que tu fais? Hop, tu vas focaliser. Je vais compter, tu comptes des objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vous assure, le fait de focaliser sur autre chose, progressivement, la petite crise va s'arrêter d'elle-même. Ensuite, il y a aussi autre chose que je fais. Alors là, je sais que je peux me prendre des baffes parce que c'est le genre de truc que t'as pas du tout envie d'entendre. Moi, la première, ça me saoulait quand « Oh, mais c'est rien, ça va passer. » Alors quand t'es en crise, entendre ça, ouais, mais non. Et bah c'est bête, mais si, la phrase qu'il faut se dire, moi, mon médecin m'a toujours dit quelque chose et quand tu es anxieuse comme moi, spasmophile, je peux vous dire que ça aide. Il m'a toujours dit « De toute façon, quand vous avez une douleur et que vous pouvez me la montrer, c'est que c'est pas grave. » Donc quand j'ai mes céphalées ou mes douleurs, mes pointes, parce que moi je fonctionne pas mal aux pointes, hein, j'ai pas mal de pointes, d'aiguilles, de machin, il m'a toujours dit que ça, c'est pas grave. Donc c'est très bête, mais moi, ça m'aide à relativiser, à me dire « Ok, c'est pas grave. » Et autre chose, on ne peut pas mourir, donc quand je dis relativiser, d'une crise d'angoisse. C'est un moment très pénible, mais à un moment donné, c'est vrai, ça va passer. Regardez des vidéos telles que la mienne. Vous allez sur Google et vous tapez comment, par exemple, calmer une crise d'angoisse rapidement. Vous mettez la vidéo et ne serait-ce que écouter quelqu'un parler, la regarder, et surtout quand elle parle de quelque chose que vous êtes en train de vivre, vous dire « Ah, je suis pas la seule, elle l'a vécu, finalement, elle a l'air d'aller bien là aujourd'hui. » Et bah vous allez voir, c'est magique. Donc c'est pour ça également que je fais cette vidéo, parce que comme je vous disais, la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet, Beaucoup de personnes commentaient encore aujourd'hui, au bout de 3 ans, en me disant « Qu'est-ce que je fais? Je suis en crise d'angoisse, merci, ça me fait du bien, mais est-ce que tu peux m'aider ?» Donc voilà, je me dis que ce type de vidéo, ça peut faire beaucoup de bien. Mon médecin, dans les débuts, m'avait donné un traitement, on va dire Xanax, un truc comme ça, à prendre en cas de crise, donc je ne l'ai jamais pris, parce que moi je sais que c'est le genre de truc qui va me retourner la tête. Je suis hypersensible à tout ça, donc soit je vais être un légume, soit, enfin, moi ça je ne supporte pas. Par contre, j'ai toujours la boîte. Je pense qu'elle est encore, elle est périmée. Mais c'est le genre de truc qui me rassure de savoir qu'en cas de forte crise ingérable, je prends la moitié, et à un moment donné ça va me calmer. Je sais qu'elle est là. Et maintenant, pour vous dire, je l'emmène même plus avec moi. Donc ça c'est fort. C'est-à-dire si je pars de 3 jours, 4, 5 jours, je ne l'emmène même plus. De base, je suis quand même quelqu'un, je suis une fausse calme. C'est quand on me voit comme ça, ou souvent je vois aussi dans les vidéos, on me dit « Oh, t'as l'air calme, t'as l'air toute douce », mais alors, pas du tout. Ma vraie nature, elle n'est pas intérieurement. Moi, je sais que j'ai toujours entendu ma maman dire « Ah, oh, mais t'as un paquet de nerfs, et je suis un paquet de nerfs. » Et est-ce que toutes les personnes qui, comme moi, sont des paquets de nerfs, est-ce que ça engendre ce genre de type? Est-ce que, de base, je suis quand même aussi quelqu'un de...
Je pense qu'on a un terrain quand même. Il y a un terrain anxieux, parce que c'est génétique. Attends, je ne vais pas me lancer dans ça. Mais il y a quand même des terrains. Moi, j'ai toujours été quand même... Par exemple, petite, j'avais très peur, je faisais pas mal de cauchemars, j'avais très peur de... J'arrive même pas à dire le mot. J'avais peur de la mort, vraiment. Ça me tétanisait, petite. Hein. Le truc qui est pas normal, parce que à l'époque, j'ai même pas été confrontée à ça. Donc, il n'y avait pas quelque chose de traumatique. Mais je pense qu'il y a vraiment un terrain anxieux de base. De base. Même si tu vas entendre certains qui vont dire « je comprends pas, ça m'est tombé dessus » alors que je suis quelqu'un de très calme, très zen. Mais si tu grattes un peu, si tu réfléchis un peu à ta vie, à qui tu es, tu te rendras compte qu'en fait, non, t'es pas forcément quelqu'un de calme et y a des choses au fond de toi que t'as pas résolues, t'es anxieux, voilà, il y a des choses parfois qui ne sont pas résolues. Allô, Caro ? Ouais, c'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, hein. Je fais pas beaucoup de vidéos comme ça, facecam, je suis quand même plus, on va dire que plus des trois quarts de mes vidéos restent du vlog, sauf quand je présente ma box, bien sûr, mais je suis quand même plus à faire du vlog, c'est un format que j'adore, d'ailleurs c'est un format que je regarde, hein, que je consomme moi-même, je fais pas de vidéos que je n'aime pas moi regarder, ça aussi c'est du bon sens, et je me dis que pourquoi pas parfois même se poser tout simplement, et faire un petit brief sur des ressentis, sur la vie en général. Parce que je me rends compte que vous, on est quand même une communauté, il y a une interaction qui se fait, c'est cool. Ça peut vous permettre aussi d'échanger avec moi, de lâcher entre vous, et d'avoir pas mal de connexions, et surtout d'avoir d'autres avis, et puis des petits conseils. J'aime bien ce format, je dis pas que j'en ferai tous les 4 matins, parce qu'il faut parler de choses qui me concernent, des choses que je maîtrise entre guillemets, ou alors par rapport à mon expérience, mais pourquoi pas faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends tous vos petits retours en commentaire, donnez-moi aussi, puis dites-moi si vous aussi vous êtes sujet à ça, ou alors si vous n'en avez jamais fait, ce serait étonnant, mais ça serait cool pour vous, voilà. Bah, je vous embrasse fort, et on se dit... A très vite pour un vlog. Nous sommes vendredi, donc probablement dimanche, la suite. Bisous. Ciao.